है, परंतु अगर बोझ लगता है, क्योंकि अगर वृक्ष के ऊपर 100 आम लगे हुए हैं तो बोझ को बोझ लगे अगर वृक्ष को, Fardeau, parce que अगर हमें si l'arbre se dit j'ai tant de fruits et j'ai un fardeau, et que le fruit aussi pense que toutes les vertus, les pouvoirs, que c'est un fardeau, qu'est-ce que nous dirions? Que c'est l'ego, l'arrogance. C'est quelque chose vraiment à penser que l'arbre qui a tant de mangues, il se prosterne encore. Mais se dit qu'il y a un fardeau avec tous ses fruits, alors ce n'est plus la même chose. Donc, je devrais toujours me ressentir léger, ne jamais sentir de fardeau. Donc, je suis léger, je suis pur. La purité me rend subtil. Et plus je suis subtil, plus je me sens léger et que je peux aller au-delà. Baba nous donne tant de choses. Il est tellement un grand professeur. Donc, chaque jour, nous étudions de nouveaux points et nous allons dans les profondeurs et tout cela nous amène dans la compréhension. Et pourquoi j'aime que chaque jour, il y a un devoir pour moi, c'est que je peux porter encore plus attention. Donc, avant de réagir, nous devrions penser, mais aussi avant de parler, nous devrions penser. Un petit exemple que je peux donner, qu'ils ont dit. Vous connaissez un chanteur connu aujourd'hui, il y avait une cérémonie qui était célébrée. Alors, notre premier ministre de l'Inde dit, donc, une sœur qui lui disait de toujours penser avant de parler. Et donc, il disait qu'il n'avait pas de temps, mais le temps dans les films. Donc, lorsqu'il y a un chanteur, le nom du chanteur n'est pas là, mais le nom de l'acteur va être là. Donc, elle avait 16 ans et elle a dit, je suis une chanteuse et mon nom devrait être inscrit. Et la sœur lui a dit, et quelqu'un était surpris parce que c'était quelque chose de nouveau. Donc, il y avait de la royauté. Alors, donc, il y a eu une interférence et elle a dit, la jeune fille a dit, ben, OK, je ne chanterai pas, pourquoi faites-vous pas d'autres arrangements? Avant d'agir, pensez. Avant de décider, nous devrions penser aussi. Parce qu'on nous a enseigné qu'autant que nous sommes détaché, notre attitude devient pure. Alors, quelle que soit la décision que vous prenez, il y aura une action, mais si vous prenez une décision que rien n'arrive, c'est quelque chose que nous devrions penser, de décider, d'agir et d'être capable de penser juste avant. C'est quelque chose à pratiquer, ça n'arrivera pas dans un soir ou dans un jour, mais aussi dans le futur. Nous devrions porter attention à ce que je dois dire, je dois penser avant. Donc, et tout ce que vous prenez avec cela, il y a de l'amour.
Donc, s'il y a de l'amour, vous allez recevoir de la coopération, et la coopération est aussi de l'amour. Alors, je me souviens que je voyageais, que ce soit à l'aéroport ou ailleurs, et que j'avais besoin d'aide. Et on m'offrait de l'aide, mais je disais, OK, c'est OK, nous allons attendre et quelqu'un va venir m'aider. Et aussitôt que je pensais que quelqu'un viendrait pour m'aider, j'ai eu tant d'anges autour de moi pendant que je marchais et donc nous recevons la coopération. Si je suis en amour, mais que je ne suis pas aimante et que je me plains tout le temps, personne ne va venir m'aider. Nous n'aurons personne autour de nous, donc il n'y a aucune aide pour moi. Mais si avec patience que je suis aimante et que j'ai des actions aimantes avec les autres, je vais avoir de la coopération. Quelquefois, nous servons que vous soyez dans la cuisine ou préparez le Brahma Bhojan et que vous n'avez pas d'aide et que vous vous souvenez de Baba avec beaucoup d'amour. Vous allez voir que quelqu'un va venir vous aider. Alors, ce n'est pas que nous recevons la coopération en demandant. Nous devons juste rester aimants. Plus nous restons dans ce niveau d'amour, la coopération va venir automatiquement. C'est une expérience et notre niveau. Plus je construis ce niveau d'amour, et certainement je vais recevoir de la coopération. Alors, pour le niveau de Manmalabhav, si je pense beaucoup ou des façons, si je pense beaucoup, mais qui va venir m'aider, alors je ne me souviens pas de Baba à ce moment-là, donc je ne recevrai pas de coopération. Mais si j'ai cette image d'amour, que je me souviens de Baba, que je suis Manmalabhav, donc je dois vraiment vérifier où va mon intellect, comment je me sens, comment, si je me dis comment ça va arriver et tout. Donc, le souvenir se brise à ce moment-là, donc nous devons garder dans notre esprit d'avoir cette pensée, d'avoir la foi que cela va arriver, qu'il y a beaucoup d'anges tout autour et des anges vont venir. Je dis toujours, il y a des anges qui vont venir. Une fois, quelqu'un a été envoyé à un endroit et les sœurs avaient leur propre. Donc, la sœur disait, OK, Angel, faites ceci, faites cela. Donc, qu'est-ce qui arrive? Donc, je lui en ai parlé. Donc, cela a changé. Ils ont commencé à coopérer. Elle n'avait plus besoin de demander. Gardez dans le but d'être dans le souvenir de Baba et vous allez recevoir de la coopération. Om Shanti.